Bon, écoutez, on a genre 45 minutes avant la soirée CSGO, donc 45 minutes pour essayer de down ce boss sur Rise and Shine, qui a l'air d'être le dernier boss du jeu. Alors c'est marrant parce que sur How Long to Beat, il y a un average pour terminer le jeu de 355 minutes. 3h55 minutes. 3h55 minutes. Donc la plupart du temps, les gens finissent le jeu en 4 heures. Moi, je suis à environ 1h40 de gameplay. Donc je me dis, en même temps c'est normal vu que je suis un speedrunner maintenant et que je fais partie des 354 meilleurs speedrunners sur Meat Boy Any%, je me dis voilà, il y a des choses qui sont normales. Mais ça veut dire que quand même, si c'est vraiment la fin du jeu, c'est assez faible en effet comme durée de vie. Et bienvenue à Northwick qui s'abonne pour ses 1 an de sub. Merci beaucoup. Et Mathias, premier anniversaire également. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et votre soutien à Zerator Télévision. Donc on est reparti hein, mesdames et messieurs. Là on va switch. Voilà. Merde, merde. Ah, les missiles. J'ai plus qu'une balle. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Petite phase 1. On va essayer de faire ça quand même, sans trop galérer, parce qu'on a eu des galères. Meurs ! Nickel. Ça se passe très bien pour l'instant. Faut essayer de focus la petite merde, parce que des gens m'ont dit, mais Zerator, peut-être que la petite bête, elle dépop en phase 3 et tout. Non, non, non. Ça dépop pas en phase 3, y'a rien qui dépop dans ce jeu. Oh merde ! Oh merde ! Double saut ça suffira. Double saut ça suffira. Eh ben non Zerator, dommage. Mais t'avais déjà... En fait j'ai voulu faire une cloche alors que d'habitude je vais tout droit. Attends. Là c'est my bad. C'était très mal joué de ma part. Oui voilà, vous devez savoir que la plus grosse critique qu'ont fait les joueurs de ce jeu, c'est qu'il est trop court. En même temps, il y a du boulot sur ce jeu. En termes de théâtre, gameplay. En tout temps on a vu aucun bug. Je tiens à vous le signaler. Quand même, il faut le dire hein. La DA est super propre. Abruti. Ah. Oh non. Je sais vraiment pas si je vais y arriver à le battre. Hein. Vous savez. Je fais de mon mieux, hein, mais je sais pas si je vais y arriver. Hein. Merde. Je fais vraiment de mon mieux. J'ai envie de le battre. J'ai envie de finir. Mais bon. Puis on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Quand même. Ou alors peut-être que les gens mettent 4 heures à le finir puisqu'ils passent 2 heures sur le dernier boss. Ah peut-être hein. Jusque là ça correspond avec mon gameplay hein. Il reste pas une balle. Non c'est bon. Ah, parce que s'il reste une balle je vous rappelle c'est le one shot hein. Je suis déjà en phase 2 là. Ah oui bah oui je suis en phase 2. Elle est où la petite merde? Ah bah elle est là. Oh, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Trop difficile ce jeu, trop difficile. Pour ceux qui viennent d'arriver, ça fait environ une trentaine de minutes qu'on est en try sur ce boss. Il y a 3 phases. Pour l'instant, je n'ai pas vu de phase 3. Ça promet. Et le jeu est très difficile. Il y a beaucoup de trucs à éviter, beaucoup de trucs à viser. Et voilà. Et ça, je joue à la manette. Moi, je ne suis pas très à l'aise à la manette pour viser les choses. Mais ça va de mieux en mieux, cela dit. Hein. Ah oui! Donc, le jeu c'est Rise and Shine, comme c'est écrit sur le titre et sur le jeu Twitch. Et si vous voulez tester, ça coûte 15€ sur Steam et il y a environ 3 heures de gameplay, on va dire. Ah! 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 La petite merde. Et moi, mon seul problème pour l'instant sur ce boss, mon seul réel problème que je n'ai pas encore réussi à enlever, c'est la petite merde qui bat, qui pop. Voilà ce truc là. Vous voyez la petite merde qui m'envoie des trucs rouges là, ici là. Bah, ce truc là. Oh là, on n'est pas bien du tout là. Non, si ça va. Dash.
Ok. Ok. Oh là là. Mais meurs, je t'en supplie. Oui, elle est morte. Et vu qu'elle est morte, c'est donc le meilleur try que nous ayons fait jusque-là. Ah ! Ok. Ça continue ? Ok, doucement. Ok, il y en a deux. Ok. Et là, il y aura deux grunts, j'imagine ? Non, pas du tout. Ça reste un panier de basket à faire. Paf ! Phase 3, l'apocalypse totale qui commence ! Bon, c'est la première fois qu'on voit une phase 3. On va donc voir des nouvelles choses. Et j'imagine qu'il y aura plus de missiles. Sinon, j'imagine qu'ils en mettent exprès plus que dans mon chargeur. Quoi ? Oh, quoique. Je rate beaucoup de balles quand même. Oh, il y a une petite merde qui vient de pop. Oh ! Ok, la truc va revenir. Merde. Ouh ! Ok. Ok. Ah ! Ça revient ! Ah putain, j'avais oublié. Midlife ! Bon, on a vu la première phase 3, c'est bien. Bon, y'a rien qui change, je crois. C'est une phase 2 en fait. Donc, ça, je suis assez content. Et donc, ça veut dire que si on dépop pas la petite merde en phase 2, il y en aura deux en phase 3. Ça veut bien dire qu'il faut vraiment la dépop. Ok. Allez, on charge. Je vous rappelle que dans ce jeu, on peut pas laisser appuyer la gâchette pour que ça tire vite, il faut appuyer. Chaque balle que je tire, c'est une pression sur la gâchette. Tu peux paraître assez cool, mais qui en fait est assez rébarbatif, je dois le dire. Ok, alors là par contre, on focus. Oh bah alors. Il s'agirait de regarder autre chose que le chat. On y va. Putain, j'ai stressé. J'ai eu le stress. Ok. Bon là, le jeu est quand même assez permissif sur le temps qu'on a pour déclencher ce truc. Ok. Phase 2. Et donc la plupart des choses nous one-shot dans ce jeu. Enfin, en fait, tout nous one-shot, sauf les merdes que vous voyez tirées par la petite merde, justement. Bah, il n'y a pas mid-life. Ok, mid-life et il y a la petite bête qui va pop. Ou alors j'essaie de le passer avant que la petite bête pop. Non, elle a pop. D'accord. Non. Oh putain. Non. Ouh. Ça va revenir. Oublie pas. Oh putain. Oh là là, le bras putain. Ah, quand t'as un truc qui roule, les petites merdes rouges et le bras évité. En plus t'as envie de tirer. Alors là c'est vrai que c'est chaud. Alors ceux qui n'aiment pas qu'on voit un truc recommencer plusieurs fois, vous pouvez nous en aller du live, hein. Ça va être ça jusqu'à 21h, voire plus. Parce que là, mesdames et messieurs, autant vous dire qu'il n'y aura rien d'autre sur ce live tant que j'aurais pas tué ce boss. Et ouais, hashtag aucun respect de la prog. Mais c'est comme ça. On va pas s'arrêter là. Alors que le jeu en est à sa fin. Voilà. Formidable. Le boss en phase 2, rush le boss en phase 2, tu seras la petite bête avant de faire le passage entre les phases en P3. Ah, c'est pas con ce que tu dis, mais le problème c'est que ça me dérange. On va essayer. On va essayer ce que tu dis, mais bon. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le viewer nous dit, à ce moment-là, en fait, ce moment-là que je suis en train de faire, quand je le fais en phase 2, j'en profite pour tuer la petite bête à ce moment-là. Ça va tourner. Ouais, c'est pas con, hein. Je peux essayer ça. T'as raison. C'est pas stupide, on va essayer. Quand même que je tienne. Quand même que je tienne avec tous les trucs à éviter, ce qui est pas. C'est pas une mince affaire. Ok, il reste des balles, non ? Non. Oh yes, on a eu la meilleure phase. On a eu les points. Les points x 2. Waouh ! Il y a eu la petite merde. Ah oui. Ah oui, et là je la bute. Putain, mais j'arrive pas. En fait, elle se protège avec ses boulettes. Oui, on l'a eu.
Voilà, maintenant il s'agirait de faire ça. Merde. Du coup là on a beaucoup moins de temps. Essayons de jouer safe. Merde putain, c'est difficile de ouf. Voilà, j'ai essayé de me retourner, d'y retourner. Là en fait si je mets trop de temps, on annule la phase. Ok, nice. Là ça reset le timer pour cette phase là, j'imagine. Je sais pas si c'est un timer commun pour les deux, mais je pense pas. Ok, phase 3. C'est la deuxième phase 3, ce qui veut dire qu'on progresse. Deuxième phase 3 que nous voyons. Alors là le but ce serait de rusher le boss, je pense, vu que c'est la même phase que la phase 2. Putain. Ah oui d'accord, il fait 3 du coup. Alors est-ce qu'il y aura 3 points? Ah non, ils ont quand même pas osé. Par contre ils vont taper 3 fois chacun. Non, ils vont taper 3 fois chacun, Zerator, t'es bête. J'étais en mode c'est bon, c'est terminé, mais pas du tout. On recommence. On a progressé. C'est important. Il y a important, c'est de progresser. Ok, ok. Tant de pression sur cette gâchette. Bon, c'est de la grosse merde. À la phase 1, vraiment, on y meurt quasiment plus jamais. Je sais pas quand c'est la dernière fois que je suis mort en P1, mais... Merde, pas assez près. Ça, c'est la phase 1. Paf. Ok, raté. Paf. Voilà, c'est bien. Non, c'est pas bien. Oh merde. Oh là. Voilà, c'est pas mal. Mais non. Oh là là, on va pas refaire une phase 1 quand même. Bon, après, ça va, il vaut mieux refaire une phase 1 plutôt que refaire une phase 2. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok. Donc on se rappelle, on essaie de rusher. Et la petite merde, on la butera entre les deux phases. Bien sûr, viewer qui a eu cette idée géniale. Ah, j'avais pas eu les missiles tout à l'heure, si? Ouais, si, j'ai dû en avoir. J'ai raté un missile. J'ai raté un missile. Oublie pas que tu peux ralentir le tir téléguidé. Ouais, je sais, je sais. Mais en fait, en le faisant, parfois, ça fait une erreur sur la gâchette. Et en fait, il part dans l'autre sens. Je sais pas comment dire. Genre, tu veux le ralentir, tu relâches. En fait, au lieu de se relâcher, il part juste dans l'autre sens. Enfin, en se relâchant, bien sûr. Oh, j'ai cru que j'avais raté un missile, j'ai arrêté de tirer. Oh. Allez, courage. Allez, c'est bon, là. Voilà. Ouh. Mais c'est bien, les jeux vidéo difficiles, où il faut faire plusieurs essais. Moi, j'aime bien. Vive les jeux vidéo difficiles. Voilà, on y va. 7 balles. Ok. En fait j'ai tendance à me dire quand je vois les balles comme ça arriver, c'est bon je m'en occuperai plus tard. Mais en fait pas du tout. Les missiles. Ok, double saut pour ça. Ok, il y a la petite merde. Ok. Maintenant on essaie de tuer la petite merde. Ok, nice. Premier coup. Deuxième coup. Saloperie, meurt. Merci, elle est morte. Ok. Est-ce qu'on va avoir une deuxième phase 3? On ne sait pas. Merde. Moi, je peux rater que 3 fois, je pense. Merde, 2. Je pense que là, si on rate ça, on se retape la P2. Pouette, pouette. Voyons voir. Ouais. Ça c'est cool. Ok, on est bon je crois. Ok, phase 3. Et donc là on rush. Full DPS. Allez, bravo. Faut pas que je me fasse avoir. Faut pas que je grille trop en fait. Ok. Oh merde! Non, c'est bon. Ok, ça va être pas mal, je pense. Il y a une petite merde qui vient de pop. Wouah! Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Rappelle-toi qu'elle revient, rappelle-toi qu'elle revient. Ah, elle revient. On avance. J'ai dash pour esquiver les points et j'ai pris les merdes de la petite merde.
Allez, c'était le wipe à 1%. C'est-à-dire que là, si je passais les bras, c'était gagné. On recommence, on avance, c'est bien. Y'a pas de problème, on a fait que 3 passes 3. Inutile de rager alors qu'on a fait que 3 P3. Ben oui. Ce qui était rageant, c'est quand on faisait 1000 P2 et qu'on n'arrivait pas à passer. Mais on a compris. Non mais là, ça va le faire. En plus, je vous rappelle qu'il faut qu'on tienne jusqu'à 21h. Tout ceci est truqué. Ah bien sûr, si vous voyez. Bon, allez là. Ah merde. Ouais. Génial, je me suis TK avec ma propre balle. Énorme. Je pensais même pas que c'était possible. Enfin si, je l'avais déjà fait en plus une fois. Et là faut se mettre bien prêt en fait. Oh merde, j'ai tiré la mauvaise balle. Génial Zerator. En fait si on se met bien prêt c'est assez facile. Ça j'ai remarqué, c'est bon ça y va. Non ça y va pas. Ouais on va reculer un peu du coup. Ouais j'ai remarqué c'est assez facile. Putain. Ah j'ai le mauvais timing de ouf. Ah j'ai le mauvais timing de ouf. Mauvais timing, faut j'attendre que ça passe. Mais du coup on peut pas arrêter que ça monte. Ah c'est trop mal fait ce flingue. Enfin c'est pas trop mal fait, c'est fait exprès mais... Ok là peut-être. Ah j'ai le mauvais timing. Il m'en a renvoyé deux et maintenant je suis niqué à vie. Ah je suis niqué. Je suis niqué, c'est pas grave. Première fois que je me retrouve niqué comme ça avec ce truc. Ah peut-être. Non on va refaire une pire. Ouais, ouais j'avais le mauvais timing. J'avais pile le mauvais timing et après c'est tellement compliqué de... En fait on peut pas le faire arc. Je sais pas comment vous expliquer, on peut pas faire que ça s'arrête de monter le pistolet. Ça faut vraiment jouer au jeu pour comprendre. Parce que là on se dit juste mais il suffit d'attendre, c'est pas grave Zerator, mais en fait on peut pas vraiment attendre. C'est un peu compliqué d'expliquer. Par contre là on en parle de cette phase 1 ou quoi? On en parle de cette deuxième phase 1. Ok. Voilà, et là niveau timing on est beaucoup mieux. Donc là ça va le faire. Maintenant il suffit juste de savoir viser. Hop, ça devrait le faire là. Voilà, c'est bon. Quoi, non? Enfin, c'est bon. Ok, nickel. Alors le pire, c'est si on se retrouve avec un timing comme ça en phase 3. Parce que j'imagine quoi. Alors je sais pas si en phase 3, il faudra refaire ce truc. Ou s'il amènera directement sur la fin, quoi. S'il dira, bah c'est bon, c'est fini. Ok. Ok. Ouais, je tente des nouvelles strats. En fait, je pense que les missiles, il faut pas que je les. Faut pas que... Enfin, je pense que c'était la bonne strat en vrai. Je pense que je vais esquiver les missiles et plus essayer de les tuer. Salut, qui de nous deux meurt le plus? La petite merde. Moi ou la petite merde? Ah, la petite merde. Bah, c'est sûr que c'est moi qui meurs le plus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, je fais comme ça, je dash. Quoi? Bah, pas dash quoi, je fais. Tu peux coller la bombe à la plateforme en chargeant au max Zerator. Ouais d'ailleurs c'est sûrement comme ça qu'ils veulent qu'on fasse mais je sais pas, je me sens pas à l'aise avec la bombe collante. Ça veut dire qu'il faut que je vise avant vachement mieux. Non mais je vais plutôt essayer d'esquiver les missiles. Même si c'est un changement de strat, je pense que c'est worse parce que ça donnera plus de DPS. Et tout ce qui donne plus de DPS permet d'avoir des phases moins longues. En fait je tire et quand je vois que je peux pas esquiver, enfin quand je vois que je peux pas, je suis pas sur la lignée de la balle, du coup je me casse. Voilà, c'est comme ça que je passe. C'est pas mal. New strategy. New strategy. Hop. On est bon. Paf. Phase 2. Yes, on a mis 3 balles dans le vide. 4 balles dans le vide. Ouais. Ouais. Et là, il va faire les missiles, je pense. Et c'est là qu'il fait les missiles. Ça c'est un peu chiant. Il me restait qu'une balle. Hop. Voilà, et là les missiles je pense. Faire comme ça. On se met dans la trajectoire. Et là on esquive. Ah. Ok, là on tue la petite merde. Ok, j'y arrive pas. Ok, de 1 et de 2. J'ai eu de la chance. Et de 3, nice. Wouh. Bon ok, c'est ça la strat. Enfin c'est mieux de faire ça, je vais faire ça en phase 3 aussi je pense. Paf. Oh non. Mauvais rebond. Ah mieux. Non la même chose putain. J'y crois pas. Ah mieux. Oh c'est parfait. Allez une autre phase 3. Quatrième phase 3. Quatrième véritable try sur notre avancée PVE.
notre avancée PVHL. Ah, dash arrière, j'avais encore oublié ce truc. Ok, là il y en a 3. 1, 2, 2 j'ai dit. Ok, j'ai eu l'autre, ça c'est de la chance. Là il y a une petite merde, il vient de cop. Là ça va être le moment difficile. C'est à dire que là s'il fait les missiles, c'est le pire combo. Ok, pas mal. Pas mal. Voilà. Donc là, attendez, c'est pas terminé. Ok, là faut tuer la petite merde. Sans tuer la petite merde, on pourra pas. C'est le meilleur try pour l'instant. Ok, elle est morte. Merde. On recommence. Oh merde, on recommence. C'est le premier try dans cette phase. Merde, on recommence. Et là on va se retaper une phase 3 je pense. Oh non, c'est tellement rapide, c'est tellement difficile, faut que je tire en fait. Ouais, faut que je tire. Ok, refase 3, c'est pas grave. C'est le premier try. En plus ça m'entraîne à la P3, c'est parfait. En vrai. Et ça m'entraîne à viser la petite merde. Ah, je savais qu'il y avait le troisième qui arrivait. Là il y a la petite merde. Oh, ça c'est le plus difficile. Ok. Ok. Wouah. Wouah. Wouah, ça commence à être chaud vraiment. Oup. Ok. Oh merde. Oh merde. Allez, s'il te plaît, passe en... Oh non. Ah putain, j'ai pas touché. Oh, y'a un missile, y'a un missile. Ah. Je me suis trompé de touche. Ok, on l'a touché une fois. Ça, c'est cool. On l'a touché une fois. Oh putain, j'avais déjà touché une fois, yes. Ok, on est reparti. Deuxième P3. Le combat le plus long du monde. Merde. Est-ce qu'on va faire une troisième P3? Pas très envie, je vous avoue. Merde, j'ai tiré au dernier moment. Enfin, au mauvais moment. C'est tellement difficile en vrai. Là j'ai essayé de le ralentir mais je sais pas, j'essaie une nouvelle strat. Ok. Ok. Descends. Non, il descend pas. Oh, ça fait du bien. Ok. Et ben c'est fait, on a tué ce boss. Vous voyez, c'était pas facile, mais on y est arrivé. On aura mis 23 minutes depuis la pause, depuis le retour de la pause. Woo. GG, well played. Papa, qu'est-ce que... Rise, c'est bien. Bien sûr que c'est toi, je ne m'attendais pas à être vaincu par mon fils de 10 ans. Shine est vraiment un bel objet et c'est trop OP. Que faisais-tu sur ce vaisseau, papa? Qu'est-ce qui se passe sur ce bateau? Ah, il faut que tu comprennes. Je suis le commandant suprême des forces Grunt. Tu... Quoi? Mais comment est-ce possible? Fils, je comprends que ce doit être un choc pour toi, mais c'est comme ça. Cette planète m'a adopté, mais je suis né sur la planète nouvelle gène. Et les Grunt savaient que j'étais parfait génétiquement parlant pour les conduire à la conquête de l'univers. Je n'ai jamais eu d'autre destin possible, fiston. Nouvelle gène décide et nouvelle gène prend. Gamers a toujours été trop puissante, trop provocatrice face à nos forces. Alors nous avions besoin de quelqu'un pour infiltrer ses habitants, connaître ses faiblesses, devenir l'un d'eux. Est-ce que tu es devenu fou, Cole? Tu es l'un de nos meilleurs soldats. Nous avons combattu un côte à côte dans la guerre des mauvais jeux dans les années 80. Comme je vous l'ai dit, je devais devenir un citoyen de Gamers et je l'ai fait. Mais cela ne veut pas dire que je tiens pas à ma famille. J'ai essayé de vous protéger, toi et ta mère. Je ne savais pas où vous étiez. Papa, on pensait que tu étais quelque part en train de te battre pour nous, que tu combattais pour Gamers comme toujours. Je n'arrête pas de mourir et de respawner en essayant de sauver ce qui reste de cette planète. Et j'apprends que c'est toi le responsable de tout ça. Tu penses que je veux poser des shines, le pouvoir de respawn, cette immense responsabilité? J'aimerais te le donner et tirer un trait sur tout ça. Détruis ce qui te plaira, j'en ai marre d'exploser en minuscules morceaux. Rise, je n'ai appris que très récemment que c'était toi le gardien de Shine. Mes nouvelles gènes sera toujours ma priorité. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Je viens aussi d'apprendre quelque chose à propos de vous deux. Il n'est pas nécessaire de tuer ce qui peut être arrêté. Quoi? Je ne peux pas bouger!
Ce faisceau immobilisateur va vous retenir ici jusqu'à ce qu'un de nos transporteurs vous emmène tous les deux à bord du vaisseau mère. Une fois là-bas, nous vous mettrons dans une de nos cellules et nous jetterons la clé à la mer. Je me demande bien comment j'ai fait pour ne pas penser à ça avant. Papa, s'il te plaît, là, tout ira bien, fiston. Une fois que Shine et toi seront en détention, les crottes gagneront cette guerre très vite. Allô, la base, téléportez-moi maintenant. Préparez une équipe médicale pour mon arrivée. Ok, nous sommes foutus. Du coup, c'est la fin du jeu ou pas? Alors ça a pas l'air d'être la fin, attendez. Moi je pensais que ça y est, c'était la fin, tout allait redevenir comme avant, formidable, il ne peut en rester qu'un, Highlander. Je peux rien faire, je peux appuyer sur rien. Ah! Je gère le flingue! Ah merde, raté! J'ai raté! Merde, c'était la première fois de ta carrière. Ah mais oui, il a fait exprès! Il a fait exprès de le buter pour qu'il respawn. Bien sûr. Des pixels. Merci Néant7 pour ton sub à Lazerator Télévision. Le temple des pixels. Ah. Ah. Mon chouchou, 2 ans de sub. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que nous avons réussi à atteindre le temple Odyssée. Oh, tu es là. Voyons si nous pouvons entrer dans cet endroit. Je suppose que tu dois rentrer là-dedans. J'espère, je ne suis pas allé à la salle de sport depuis un moment. Ça paraît irréel, cet endroit est intact alors que tous les bâtiments autour ont été complètement détruits. Le temple Odyssée fut l'un des premiers bâtiments construits sur Game Earth. Il est si vieux que la physique n'avait pas encore été inventée dans notre monde. C'est pour cela qu'il est toujours debout. Toujours debout. Rien ne pourrait véritablement le détruire. Nous y voilà. Ce doit être l'ordinateur qui fait fonctionner Purity, le moteur de Game Earth. Il ne reste plus qu'à désactiver tous nos ennemis dans le moteur et la guerre sera enfin finie. Mais si je désactive tous les ennemis dans le moteur, ça veut dire que je ferai disparaître mon papa. Je ne peux pas faire ça. Petit, je suis désolé, personne n'aurait cru que ton père rejoindrait les forces Grutt. Je crois que je suis incapable de le faire. Je sais que mon père est un enfoiré et qu'il le mérite après avoir massacré tous ces gens, mais je ne peux pas faire disparaître mon père. Petit. Qu'est-ce que... Rise! Éloigne-toi de cet ordinateur tout de suite! Tu es mon fils! Je t'aime, mais je n'hésiterai pas à te tuer une seconde si je dois le faire! Ah bah oui, il a essayé, il nous a tué déjà pas mal de fois avec le boss. Ça, c'était pas mal, ça. Maintenant, tu ne peux plus respawn. Rise est libre. Rise. Pardon, tu es libre de Shine pour toujours. Plus de douleur, plus de responsabilité. Éloigne-toi juste de cet ordinateur et nous pourrons aller retrouver ta mère ensemble tout de suite. Rise. Non. Rise, non. Ne fais pas ça. Enemy deactivated. Oh, trop bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, avec mon joystick, je gère la souris. Salut Xincox, merci pour ton sub. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans la console du jeu. La console. Qu'est-ce que je dois faire? Comment on désactive les gens? Je peux appuyer sur rien. Console. Ennemi. Ennemi, je veux décocher. Ah, voilà. Je vais décocher ennemi. Je peux décocher les particules aussi? S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps. Tant pis. 9. Tout disparaît. Je suppose que nous avons gagné. Papa, il aurait pu me tirer dessus tout de suite, mais il ne l'a pas fait. Je voulais pas que ça finisse comme ça. Hey. Mais moi je t'aime. Je te donne mon petit cœur pour réparer le tien. Est-ce que c'est... C'est une vie bonus. Mais c'est formidable. Je la donne à mon pistolet. Pour le raise. Les crédits! Et voilà! Et voilà! Et oui! Et le temps qu'on parle, il sera évidemment 20h55, l'heure pour la soirée CSGO! Et après, vous dites que tout n'est pas truqué dans cette TV? Mais bien sûr que oui! Voilà, et grâce à l'amour, nous avons réparé le pistolet! Et le père, trop corrompu, aucune pitié, éducation de merde, a fini par mourir. Voilà! Je suis quand même un petit peu déçu! Parce que on a fait 2 heures de gameplay. 2 heures de gameplay. Alors, sur le réel, ça faisait plus parce qu'il y a les pauses et tout. Mais en tout, sur Steam, là, j'ai 2 heures de gameplay sur le jeu. Si on enlève les pauses de 5 minutes pendant lesquelles le jeu est lancé. Et c'est peu. C'est vraiment peu, 2 heures de gameplay. Mais c'était 2 heures vraiment cool. Après, je pense que c'était 2 heures parce que je suis bien trop fort au jeu. Et qu'en vrai, c'est pas 2 heures. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2 heures de gameplay. C'était super. C'était un super jeu.
à toutes nos familles et à nos amis à travers le monde qui nous ont supporté, qui nous ont apporté leur soutien et leur aide tout au long de l'élaboration de ce projet. Merci à vous. Bah écoutez, moi je trouve que c'était un super jeu. Je me suis régalé. C'était un jeu bien difficile. Jeu développé évidemment sur Unity. Ça se voyait. Enfin, ça se sentait. Et voilà. Je trouve que c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Un très très bon Metal Slug-like. Mais en effet, merci d'avoir joué. Rise and Shine. Rise and Shine. Bah c'était vraiment cool. Moi j'ai adoré. 15€ pour 2h MDR. Ouais mais faut voir hein. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Il y a très peu de personnes qui sont impliquées dans ce projet. Vous avez vu que les crédits sont assez faibles. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et après, moi je trouve quand même que c'est un bon jeu. Il y a beaucoup de travail. Pas de bug. La traduction est très bien faite. Des dessins originaux. Tout est fait à la main. Non, moi je suis désolé hein. C'est cool hein. C'est cool hein. Une place de cinéma, plein tarif, c'est quasiment 15€ et vous avez la même durée de vie. Mais faut pas dire ça les viewers, puisque vous, ça vous prendra 10 heures de gameplay. Moi c'est 2 heures, mais vous ce sera 10, vous comprenez? J'arrive exactement à l'écran qui dit merci d'avoir joué. Et il est quelle heure? 20h55. Non franchement c'était un super jeu. Je félicite les devs qui ont fait ce jeu. Et voilà, c'était grave bien. Alors combien il me dit? 2h il me dit là. Mais ça vient de passer à 2h donc je dois être à 2h10 de gameplay, un truc comme ça. Et voilà. Les musiques sont vachement bien, la DA est très bonne. Il n'y a pas de bug. La jouabilité je la trouvais assez mauvaise avec les contrôles au départ, mais en fait je trouve ça logique maintenant que j'ai fini le jeu. Et voilà, tout est bon quoi. Tout est bon dans le cochon. C'est un peu court c'est vrai, on aurait voulu jouer un petit peu plus. Mais à la fois on est content d'avoir fini parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. C'est rare que je fasse des jeux assez difficiles comme ça et là c'était cool vraiment. Donc énorme. Tu sais quel jeu speedrun maintenant? Il est court, il est beau, il est prenant, il a un skill cap sympa. Non mais jamais, jamais, jamais je pourrais speedrun ce jeu. Il est bien trop difficile. Genre c'est vraiment trop, trop, trop difficile. Alors si je regarde sur mon profil Steam, je suis à 3 heures de gameplay. Non mais je suis pas à 3 heures de gameplay. En fait, je pense que Steam, au bout d'un moment, si t'es à 2,5 heures, il met 3 heures, c'est ça? Je pense que ça doit être un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas voilà pour la fin de Rise and Shine.